Au sommaire de cette édition, la BNI a présenté le bilan de son exercice 2023. Le projet d'aménagement dans le Gaimont du parc national du Mont Péco a été adopté. Et suite à l'annonce de la prolongation de la transition au Burkina, les Burkinabés en Côte d'Ivoire ont réagi au micro de cette info. Un état financier positif de 48,28% pour l'exercice 2023. Youssouf Fadiga, directeur général de la Banque nationale d'investissement, l'a annoncé le vendredi 24 mai lors de la présentation du bilan de l'année précédente. Cette performance a permis à la BNI de se conforter dans sa vision de se positionner à l'avenir dans le top 3 des meilleures banques de Côte d'Ivoire. Selon son directeur général, l'exercice 2023 de la BNI a été principalement marqué par la finalisation de l'acquisition d'une participation dans le capital de la BCC. Nous avons pu prendre des dispositions justement pour faire en sorte de continuer à mener nos activités pour le bien de nos clients, puisque comme vous avez pu le constater, le niveau de crédit octroyé à nos clients a augmenté. Le niveau de PNB a augmenté également, donc cela démontre la résilience de notre banque. La BNI, c'est aussi une politique RSE en expansion en 2023. Ce sont en effet à peu près 160 millions qui ont été investis dans des engagements aux côtés de la jeunesse, le sport et la filière cacao. On fera encore plus chaque année en fonction justement des moyens que nous allons dégager, mais surtout pour marquer en fait notre volonté, mais surtout notre rôle d'entreprise citoyenne. Depuis 2022, la BNI a entamé son plan stratégique dénommé Performance 2026 qui vise entre autres l'optimisation du modèle opérationnel et l'accélération de la croissance sur ses marchés cœurs, la construction de la banque digitale et l'exploitation des synergies avec ses filiales. Ils sont venus des quatre coins de la Côte d'Ivoire, tous rassemblés dans l'enceinte de la mosquée de la Riviera Golf pour entamer le cheminement vers la Mecque. C'est le cinquième pilier de l'islam. On peut dire que c'est le couronnement franchement, de tout un souhait, de tout un musulman, pour vraiment pour que Dieu nous accepte ce privilège-là, pour couronner notre, vraiment, on va dire, notre foi, et vraiment vis-à-vis de notre Créateur, et qui est Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est un événement très, très, très important pour moi, et pour les saints et les frères. Ce sont plus de 300 pèlerins, des personnes du troisième âge pour la plupart, qui étaient présents le lundi 27 mai pour ouvrir la série de voyages à la Mecque pour le contingent ivoirien. C'est tout ce qu'on regarde pour la petite cola, le cola, les produits croissants, les produits qui sont été les produits croissants, les pommades là. On arrive tout ça, ça c'est l'exception interdite par le commissaire de garde. Mais en dehors de ça, on aide aussi les preneurs aussi, ce qui doit partir, comment ça doit se faire. Il y a les barres qui ne vont pas à la cabine, ça ne va pas à la cabine avec vous, mais ça va à la soupe. Mais essayez de faire comprendre un peu pour nous détresser ces différents barres-là, pour les livrer passer. Vagondo Diomandé, ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, s'est également rassuré du déroulement de tous les aspects administratifs auprès du commissariat du Hadj et des agents d'Air Côte d'Ivoire. Passés tous les contrôles, les pèlerins ont pris la route pour l'aéroport Félix Houphouët-Boigny afin de rejoindre la Terre Sainte. Il a été adopté à l'unanimité des parties prenantes à Diokoué. Composé de 123 pages retraçant entre autres la présentation du parc national du Mont Péco et son milieu naturel. Le projet d'aménagement met en lumière son environnement socio-économique et culturel et surtout son programme de gestion accompagné des indicateurs de son financement. Les agents de l'OIPR chargés de la gestion du parc et les chefs traditionnels des villages riverains se sont retrouvés pour la première réunion du comité de gestion locale. Avec ce plan, on sait où on est. Et on sait où on va. Et ça, c'est une excellente chose. Ça ne peut que profiter d'abord aux populations riveraines, à l'ensemble de la région du Gaimont et puis au département du Diokoué, à l'État de Côte d'Ivoire. Donc, dans la mise en œuvre de tout ce qui va se faire aujourd'hui et demain sur le Mont Péco, les voix des populations riveraines sont attendues. Nous avons travaillé sur le plan d'aménagement et de gestion du parc national du Mont Péco de façon spécifique. Il était important, conformément aux pratiques de l'OIPR, que ce soit un plan qui soit consensuel, qui soit élaboré de façon participative avec l'ensemble des parties prenantes. Le budget annoncé est d'un peu plus de 7 milliards, pour être plus précis, suite donc aux différentes contributions qui ont été faites aujourd'hui. Nous allons retravailler ce budget-là. Les opportunités que la Banque mondiale, par le biais du projet d'investissement forestier phase 2, offre aux populations riveraines du Mont Péco, c'est qu'elles pourront bénéficier de micro-projets en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Et ces micro-projets sont de divers types,
de type collectif, c'est-à-dire les associations peuvent bénéficier de ces projets. Il y a aussi du type individuel, où des personnes toutes seules peuvent bénéficier de ces micro-projets, et aussi du type communautaire, qui sont appelés les projets structurants. Selon les informations données, les indices de présence de faune et d'avifaune ont été observés dans le parc depuis l'évacuation des infiltrés le 31 juillet 2017. Les éléphants, buffles, céphalophes, gibbes anarchés, babouins ont reconquis leur territoire. Le torchon brûle entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Une vidéo largement diffusée sur la toile le mardi 28 mai témoigne de la gravité du mal qui ronge le football camerounais. Dans cet extrait, le ton est monté entre Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, et Cyril Tolo, conseiller technique auprès du ministre lors d'une rencontre dans les locaux de l'instance du football camerounais. Le nœud du problème, la nomination de Marc Brice, désavoué par la FECAFOOT. Monsieur Eto'o, pas mon lieu de travail, et vous me connaissez très bien. Ici, quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis... Depuis le limogeage de Rigobert Song après une prestation approximative des Lions Indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, la FECAFOOT et le ministère des Sports ne sont pas parvenus à s'entendre sur la nomination d'un nouveau sélectionneur. Et pour finir, 60 mois supplémentaires pour le président de la transition burkinabé Ibrahim Traoré, qui s'appelle désormais président du Faso, chef de l'État, chef suprême des armées. C'est ce qui est ressorti de la rencontre bilan qui devait avoir lieu depuis octobre 2022 pour décider de la suite du processus. Elle a réuni des représentants des différentes couches de la société, chefs coutumiers, religieux, organisations de la société civile, partis politiques, forces de défense et de sécurité. Après l'annonce, nous avons recueilli les avis des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. On doit lui laisser sa chance. D'après tout, c'est que 5 ans, c'est pas petit, mais c'est pas beaucoup aussi. Donc, si on lui laisse sa chance, il va nous montrer ce qu'il peut faire. Il va nous prouver ce qu'il peut faire. Donc là, c'est d'accord avec lui. Parce qu'apparemment, je vois pas si lui il n'est pas là, s'il est calme, moi, je vois pas une tête. Voilà, je ne vois pas une tête pour être au pouvoir. Les Burkinabés ne sont pas naïfs. Un an, quelques mois, puis Ibrahim Traoré a fait déjà, il a déjà pleuré. Si le peuple réclame Ibrahim Traoré de rester au pouvoir pendant 10 ans, c'est parce qu'ils ont des preuves. Non, c'est pas n'importe qui qu'on réclame pour 10 ans, un an même, c'est trop. Pour certaines personnes, ils ne voudraient pas. Les 5 ans qu'ils ont accordé, c'est bien. S'ils ont su que vraiment c'est quelqu'un qui peut continuer pour le bien du pays, après les 5 ans, on va aux élections, il prend sa candidat et puis on va le faire élu. Bah, 5 ans. C'est un enseignement, mais les 5 ans, il faut que tu aies tenu les 5 ans. On peut même te donner encore 5 ans. Voilà. On voit les Poutines qui sont là-bas depuis les années, les Corées du Nord qui sont là-bas les années, et puis ça avance bien. Donc 5 ans, s'il peut tout changer, on peut lui donner 5 ans. Après les 5 ans, donner encore un autre 5 ans. On fait le changement. En fait, on ne peut pas rester toujours le même problème là. S'il peut mettre le pays en place, 5 ans, c'est bon. La nouvelle version de la charte signée par le capitaine Ibrahim Traoré prévoit une transition de 5 ans à partir du 2 juillet prochain. La première mouture du texte qui avait été soumise aux participants proposait 3 ans et demi, soit 42 mois. Des élections marquant la fin de cette période pourront néanmoins être organisées avant cette échéance, si la situation sécuritaire le permet. Un nouvel organe, le CORAG, sera mis en place. Sa mission sera de définir, suivre et contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.